Salut tout le monde, c'est StormSema et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 3 en zone de largage avec le MSR. Donc je vais essayer de vous faire un bon petit gameplay et je vais essayer de vous parler du maximum que je peux. Donc tout d'abord je vais juste tenter le spot vite fait. Faire rien. Passer pour un blaireau et voilà, c'était super. Donc pourquoi j'ai changé de chaîne? Enfin pourquoi j'ai changé de chaîne? J'ai pas changé de chaîne en fait. C'est juste j'ai créé une chaîne... on pourrait appeler secondaire qui sera à 100% montage parce que personnellement en fait ce qui se passe c'est qu'il y a un petit peu on va dire sur ma chaîne de la StormSema c'est que en fait les commentaires sont beaucoup plus appréciés en nombre de likes que les montages. Donc j'ai décidé de créer une chaîne 100% montage, au moins les gens qui veulent des montages bah s'abonne pour les montages et les gens qui veulent rester pour les commentaires bah restent sur cette chaîne. Ça peut paraître bizarre de faire ça mais bon moi personnellement c'est ce que je veux faire donc je pense pas changer. En plus maintenant que j'ai lancé ça changera pas et voilà je pense déjà pour ça j'ai dit. Après, pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de commentaires? Bah déjà à un moment j'étais un petit peu, j'avais pas l'envie de faire. Enfin, on peut pas dire que c'était l'envie. Enfin, je sais pas, j'avais pas la motivation, voilà, de le faire. D'ailleurs, Boubouman, il casse les bonbons. Et donc j'ai pas fait de commentaires. J'ai préféré rester sans vidéo pendant, je crois, 3 jours. C'est pas non plus énorme mais c'est normalement c'est tous les 2 jours que je fais une vidéo. Là c'est tous les 3. Après s'il vous plaît aussi sur ma chaîne donc attendez, ah non je crois qu'il y a Clebs Browning, j'ai eu peur. Donc sur ma chaîne, donc ma deuxième chaîne, s'il vous plaît, si vous êtes abonné pour ne pas mettre de commentaires, enfin pas mettre de pouces verts, ne vous abonnez pas. Si vous êtes abonné pour mettre des dislikes comme un gros con que je sais son pseudo, que je dirai pas parce que ça va gâcher la vidéo rien que son pseudo. Mais bon, on va pas parler de lui, mais si vous abonnez et que vous mettez pas de pouces verts ou vous regardez même pas la vidéo, vous désabonnez-vous directement. Ça me sert absolument à rien d'avoir des abonnés qui sont pas actifs. Je préfère peut-être avoir 50 abonnés avec 50 likes à chaque vidéo que 200 abonnés avec par exemple là je crois que 40 likes. Bon, 40 likes c'est déjà bien mais bon 200 abonnés quand même pour moi sur une vidéo, enfin sur une chaîne qui vient d'être créée en plus, donc pour moi il devrait presque y avoir 200 likes. Après c'est un avis perso. Voilà, aussi vous avez pu voir, j'ai mis sur cette chaîne, donc StormSema 3D, un trailer de montage, donc Asylum, qui sera un edit, horreur edit, ce sera un edit spécial, c'est-à-dire pas qu'il fera peur, enfin, vous verrez bien, de toute façon, le résultat final, le trailer annonce quand même pas mal de l'ambiance, même s'il n'y a pas de clip ou quoi que ce soit de ce genre. Le trailer, quand même, je trouve qu'il est quand même très très bien. Il est fait bien, il est fait vite par Dario. Le montage sera fait aussi par Dario. Et je pense que ça va vous plaire, enfin j'espère. Hop. Voilà, toi tu crèves. Par contre, ce que je déteste là, c'est la bombe IEM. Ça passe le jeu en SD, on dirait. C'est dégueulasse. Aussi sur la nouvelle chaîne je re-upload toutes les vidéos, donc re-upload c'est je remets en ligne si on peut dire les vidéos que j'ai, les montages plutôt que j'avais mis sur mon ancienne chaîne, donc StormSema 3D où vous regardez la vidéo. Donc si vous avez pas vu bah des anciennes vidéos à moi, des anciens montages à moi, vous aurez l'occasion de les revoir et de découvrir si vous avez été abonné, si vous avez pas vu certains montages. Voilà, je pense sur ça aussi j'ai à peu près tout dit. Le montage j'espère que il passera sur des chaînes communautaires. D'accord, il joue comme un gros chien. En plus la communauté en ce moment je sais pas ce qui se passe mais bon
ça m'énerve, mais d'une puissance. Je sais pas pourquoi les gens. Je dirais que la moyenne d'âge est passée de je sais pas, soit 17 ans, la moyenne d'âge est passée de 17 ans à 8 ans et demi. Et c'est un peu horrible. D'ailleurs, je pense passer sur Xbox, je sais pas quand, mais je vais passer sur Xbox. Soit je quitterai la PS3, soit j'aurai les deux. Je verrai bien. À Noël maximum, c'est vrai, Noël c'est un petit peu loin, mais Noël maximum, enfin Noël minimum, enfin voilà, j'arrive plus à parler. Noël, à Noël, voilà, c'est sûr que j'aurai la Xbox. Donc comme ça, j'irai pas tout seul, normalement j'irai avec, je crois qu'il y a Kaz et il y a Valous et qui veulent venir, enfin on ira sûrement ensemble. Ok, le mec se suicide avec ma grenade, tu comprends pas comment ça se fait. Donc si je passe Xbox, comme ça je pourrais jouer avec des abonnés Xbox. Et voilà, aussi j'ai à peu près tout dit sur ce point là. J'aime bien faire Brock. Oulala. Oh putain, fuck my life. J'ai fait la triple fit headshot en live, ça pourrait être pas mal. D'ailleurs j'ai fait... juste pour info, j'ai fait deux quad speed headshot MK14 et bien sûr deux fois j'étais split, mais bon c'est plus Brock qu'on a l'habitude de dire en français. Et ça c'est un petit peu beaucoup, très très beaucoup chiant de se faire Brock, surtout une quad speed headshot. Et ça fait chier. D'ailleurs j'ai sorti mon Deltage, il a plu quand même. Faudrait que je voie si je continue à faire des Deltage, parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit que j'avais pas fait tous les clips en un jour. Mais bon, bah si vous me croyez pas, c'est pas grave, ça a pas changé ma vie. Moi j'ai fait tous les clips en un jour et puis voilà, après je fais pas ça pour enfin voilà quoi. Bon, je pense que j'ai à peu près tout dit, il reste 2 minutes de partie, on va essayer de jouer objectif pour au moins gagner la partie. Pour l'open lobby, je vais bien voir quand je le ferai. D'ailleurs, si sur cette vidéo j'ai pas 80 likes, je pense peut-être arrêter les commentaires. Je verrai bien, parce que commentaires ça prend quand même du temps. Et si on n'est pas. Enfin, si on n'a pas le retour qu'on souhaite, c'est un petit peu chiant et c'est un peu inutile, je trouve, de faire ça pour. Presque rien. Voilà. L'open lobby, je verrai bien quand il va se passer. Je verrai bien par rapport au nombre de personnes qui sont intéressées. Toutes les personnes qui sont intéressées, mettez un petit commentaire. Dites je suis intéressé pour l'open lobby ou quelque chose comme ça. Pour au moins voir à peu près combien de personnes il y aurait pour venir. Après aussi, j'ai fait une série Crysis qui n'a pas été vue. Presque du tout même, on peut dire. Et donc si c'est à peu près pareil encore en vue et tout, je l'arrêterai peut-être. Donc je verrai bien, parce que je crois qu'il n'y a même pas eu 20 likes pour à peine 200 vues. Donc ça fait presque pitié d'avoir une chaîne à 1600 abonnés, avoir aussi peu de likes et aussi peu de feedback. Donc voilà, j'espère que vous appréciez ce commentaire. On se dit à plus, à la prochaine. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quand. Allez, à plus.